Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais trouver un bien rentable dans la ville de Arles. Alors, je me dois de rappeler ce qu'est un bien rentable. Un bien rentable, c'est avant tout un bien qui s'autofinance au minimum. C'est-à-dire que vous prenez le coût total d'achat, donc le coût d'achat, plus les frais de notaire, plus les travaux, et vous obtenez une mensualité parce que vous faites un prêt immobilier. Et les loyers doivent au minimum s'équilibrer avec votre prêt. Voilà, c'est assez simple que ça. Donc, pour faire cette étude, je vais vous présenter 6 étapes qu'on va appliquer à la ville de Arles. Donc, première étape, on va prendre des informations sur la ville. Deuxième étape, on va regarder les loyers pratiqués dans cette ville. Ça va nous donner une idée du prix de location. Troisième étape, on va regarder les biens à vendre et on va en sélectionner un pour la suite de la vidéo et la suite des calculs et de l'analyse. Quatrième étape, on va regarder le rendement. On va faire une première estimation rapide du rendement qu'on pourrait obtenir et voir si on va plus loin ou si on doit changer de bien immobilier, histoire de ne pas perdre trop de temps dans des calculs vains. Voilà. La cinquième étape, ça va être le montant maximum des mensualités, savoir si on est autofinancé tout simplement. Et la sixième étape, ça va être le calcul plus précis et la comparaison de plusieurs scénarios, comme si on achète à un prix plus bas, si on arrive à augmenter le loyer, des estimations avec des loyers bas, avec des loyers hauts, si on fait gérer par une agence, avec les frais qui incombent. Voilà. Donc, première étape, on va regarder le nombre d'habitants à Arles. Pour ça, on a Internet. Donc, on est sur une population municipale 52 000. Ah, ben, c'est une grosse ville, dis donc. Donc, Arles, moi, je ne connais pas particulièrement la ville. Hein. J'y étais une journée, il me semble. Ouais. Pour voir les fameuses arènes d'Arles. Ouais, j'ai été qu'une journée à Arles, mais voilà, je me positionne aussi en débutant qui recherche un bien rentable dans une ville. Voilà. 52 000 habitants, c'est déjà une grosse ville, hein, on peut le dire. Alors, on va regarder la carte de la ville d'Arles. Ça va nous permettre de mieux situer la ville. Ok, donc on est sur la Méditerranée. Enfin, le cœur de la ville n'est pas directement les pieds dans l'eau, mais on est vraiment tout près des stations balnéaires aussi du Gros du Roi, de Montpellier, Nîmes, Marseille, Avignon. Ouais, d'accord. Vous voyez, il y a la rivière aussi qui passe, le Rhône, qui passe dans la ville. Ok, on va regarder les universités, parce que les universités, ça attire des étudiants, forcément. Et le marché des étudiants peut être très intéressant, parce qu'on sait que ce sont souvent des petits loyers pour les étudiants, donc moins de risques d'impayés, et surtout, ce sont les parents qui payent. Donc, vous avez des garants, et vous n'avez pas de souci à vous faire. Donc là, je vois qu'il y a une université. Donc, on va aller regarder sur le site internet de l'université si on trouve le nombre d'étudiants présents à Arles. Ok, le site d'Arles. Des formations de Bac plus 2 et Bac plus 3. On n'a pas le nombre d'étudiants. Alors, on peut taper la recherche directement dans Internet.
Donc là, on parle de 1330 étudiants à Arles, ce qui est raisonnable, mais pour une ville de 50 000 habitants, c'est assez peu. Je dirais, il y a moyen, il y a d'autres villes où il y a plus d'étudiants, hein. Alors, 1200, 1300. La bienvenue aux 1332 étudiants, d'accord. Ok, donc l'article confirme un peu cette info. On va noter. Là, on est obligé de faire une étude rapide de la ville, une étude du marché un petit peu, voir ce qu'il y a dans la ville. Donc les hôtels, pareil, les hôtels. Les hôtels pour de la location courte durée saisonnière, Airbnb tout simplement. S'il y a beaucoup d'hôtels, c'est qu'il y a un marché. On voit que là, Ibis a son hôtel. Ibis, la société, a dû faire une étude bien plus approfondie que celle d'un particulier comme nous. Donc s'ils ont décidé de s'installer ici, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a un marché. Donc là, là clairement, il y a un gros gros marché à Arles. Là, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, une vingtaine d'hôtels. Une vingtaine d'hôtels, c'est vraiment beaucoup. Donc, pour ceux qui seraient intéressés par la location saisonnière, c'est plutôt un bon point. Il y a un marché, il semblerait. Ok, maintenant on va regarder l'hôpital. Est-ce qu'il y a un hôpital pas très loin d'Arles? Parce que tout ce qui est personnes de santé et la famille des patients ont besoin d'un logement. Et personnel de santé avec le système d'internat, il évolue, il amène du monde pour une ou deux années. Pour les internes, mais pour les personnes qui vont voir la personne malade dans l'hôpital, elles ont besoin d'un logement pour la semaine peut-être ou un peu moins. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'hôpitaux, dis donc. Je vais aller voir sur le site de cet hôpital-là, Centre Hospitalier d'Arles. Ce qui est intéressant de retrouver, c'est le nombre de lits, par exemple, ou le nombre d'internes qui travaillent. Les chiffres clés. Alors, est-ce qu'on va réussir à trouver ce qu'on veut? Alors, il y a un nombre de journées d'hospitalisation. Fait, il y a trop de chiffres. C'est pas clair. Donc, personnel non médical, on est à 1160. 65 personnes. Personnel médical, on est à 110. Donc on est à 1200, 1300 environ personnes de santé qui travaillent dans cet hôpital. Ici, on a le nombre de lits, capacité, organisation. Donc on a 71 lits et 7 places. Plus 23 lits, plus 20 lits, plus 30 lits. Pôle gériatrie, pardon, 159 lits. Et pôle un petit peu moins rigolo, pôle psychiatrie, 33 lits. Donc, on est quand même sur un hôpital d'une certaine taille. Intéressant. En plus, il y en a d'autres. Donc, il faudrait aussi se renseigner sur
sur les autres hôpitaux. Voilà. On va pas le faire ici parce qu'on fait une étude rapide du marché, mais ça pourrait être intéressant si on voit qu'il y a des biens rentables à approfondir après toute notre étude. Il pourrait être aussi intéressant de savoir s'il y a une grosse entreprise à Arles qui embauche beaucoup de monde. Ça nous permettrait de, pourquoi pas, viser l'emplacement de cette entreprise pour essayer de récupérer les salariés de cette entreprise dans notre location. Je ne sais pas si c'est le cas. Faut poser après des questions, de toute façon, lors de vos visites, hein, que ce soit à des personnes dans la rue, des voisins pour leur demander comment est le quartier, comment ça se passe à Arles, qu'est-ce qu'il y a autour, etc., etc. Pour les transports, ben, comme c'est une ville où il n'y a pas de transport en commun plus que ça, hein, j'entends par la tram ou métro, je vais pas aller plus loin. Ok, on va passer tout de suite à la deuxième étape, l'estimation du loyer. Donc, il faut qu'on trouve... On va essayer de faire de la colocation à Arles, d'accord? Donc, on va regarder un peu les prix pratiqués pour de la colocation, tout simplement à Arles. Donc, je prépare un petit peu mon tableau. Pour voir les prix pratiqués, c'est simple, on va aller sur le site Le Bon Coin et regarder les annonces de colocation à Arles. Mince. Colocation, pas location. Arles. Toute la ville. Donc on a 13 colocations actuellement. On va regarder 3-4 pour voir les prix pratiqués. Donc je vais zoomer un petit peu. Là, on a une belle colocation qui m'a l'air quand même sympathique, bien rénovée. Donc, une chambre, nanana, location appartement T4 de 65 mètres carrés. Il y a trois chambres, 10, 11 et 12 mètres carrés. Et on est à 400 euros, non, 385 euros. Ok. Mètres carrés et T4. Je vais mettre trois colocs. L'autre annonce, donc c'est 400 euros. Cuisine entièrement équipée, appartement meublé, loyer 400 euros, mais on n'a pas beaucoup d'informations. 400 euros. On va noter. Troisième annonce de colocation. Chambre dans coloc de 3 personnes. 300 euros. On a un 65 mètres carrés et on a du coup 3 personnes dedans. 300 euros. Ok. Ok. Appartement meublé de 60 mètres carrés pour colocation étudiante. Il comprend deux chambres. Ok, deux chambres. Ça me va. C'est ce qu'il me faut. 400 euros. Deux chambres. Donc c'est mes 60 mètres carrés.
60 mètres carrés de coloc. Faut que je zoome peut-être un petit peu hein, pour que vous voyez mieux. On va prendre une autre annonce quand même. C'est cher celle-ci. Je me demande pourquoi c'est aussi cher cette coloc. Alors, cherche quelqu'un dans une maison de 3 chambres avec 2 jardins, souvent absente de la villa et souvent vide. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Celle-ci, peut-être. Donc. Ok. Allouer une chambre dans une maison au plein centre de Arles. Elle a 3 chambres indépendantes. D'accord. Donc on est à 340 euros. Trois colocs. Et 95 mètres carrés à peu près. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on peut mettre 3 colocs dans environ 65 mètres carrés. Et 3 colocs à 300 euros, tout de suite, la rentabilité, elle va être bien au-dessus qu'un appartement loué à une famille, un appartement de 65 mètres carrés loué à une famille. Donc, pour la troisième étape, du coup, on va regarder les biens à vendre, les appartements à Arles qui font plus de 65 mètres carrés, dans lesquels on pourrait mettre 3 ou 4 colocataires. Pour ça, je vais utiliser le site bien ici, ce qui permet de visualiser l'emplacement des annonces. Et je vais regarder tous les appartements au-delà de 65 mètres carrés à vendre. Hop. Je ne sais pas combien ça peut se vendre à Arles. Je vais mettre 200 000 euros pour ne pas avoir toutes les annonces possibles, hein, tout simplement. Par contre, en mètre carré minimum, je vais mettre 65. Et maximum, je vais peut-être mettre 100 mètres carrés pour trier quand même. Ok. Voilà, c'est ça qui est bien avec bien ici. C'est qu'on a l'emplacement directement des annonces sur la carte. Donc là, par exemple, je vois un appartement 4 pièces, 77 mètres carrés. Elle a l'air assez propre. C'est un T4, ok. Donc je vais noter 78 000 euros. Et 77 mètres carrés. Un autre bien, donc j'en ai un autre à 1,3 pièces, 125 000 euros, donc bien plus cher. 120 000 euros. J'en ai un autre à 129 000 euros. Un appartement 3 pièces de 70 mètres carrés.
Ok. Là, j'en ai un à 60 000 euros. Comme on sait que dans l'immobilier, la bonne affaire se fait à l'achat, quand vous avez déjà un bien très bas, eh ben, pourquoi pas. Bon, par contre, on voit effectivement qu'il y a beaucoup à finir entièrement, à faire entièrement, je dirais même. Arles, quartier gare. D'accord, c'est 60 mètres carrés avec terrasse brute de décoffrage. Donc 60 mètres carrés, ça va être un peu trop limite au niveau espace si on veut mettre trois chambres. Hein. Le but, c'est pas de faire un poulailler non plus. C'est que les gens se sentent bien. D'accord. Honnêtement, j'ai l'impression que quand même celui à 78 000 euros est très intéressant. On n'a pas beaucoup de détails, mais les photos me semblent déjà correctes. Hein. Donc bien sûr, il y aura des travaux à faire, mais regardez la cuisine déjà. La cuisine est bien supérieure à beaucoup d'autres biens immobiliers. L'emplacement, je ne sais pas exactement si cet endroit-là est bien ou pas, mais il m'a l'air pas très loin du centre. Ça mérite une étude approfondie. Donc on va prendre ce bien-là pour faire notre étude. Voilà, et l'idée c'est d'avoir trois chambres à environ 300 euros chacune. Ouais, ça va être pas mal. Qu'on passe tout de suite à la quatrième étape et l'estimation du rendement. Donc, on aurait un prix de 77 000 euros, 78 000 euros. Les frais de notaire qui sont à peu près de 8 à 9%, donc on aurait du. Allez, on va arrondir à 6 500 euros. Les travaux, là c'est la partie à estimer, vu qu'on n'a pas encore pu visiter le bien. Moi, je vous conseillerais forcément d'approfondir votre estimation avec des devis d'artisans, hein, obligatoirement, pour pas se retrouver avec des travaux beaucoup plus élevés que ce qu'on pensait. Donc, je sais qu'il va falloir refaire la salle de bain. Il me semble qu'il va falloir créer une chambre, hein. C'est pas écrit clairement, mais je pense qu'il va falloir créer une chambre, alors soit avec le salon, en faire une chambre, soit retailler un peu les chambres existantes pour faire un peu de place et créer une autre chambre. Donc tout ça, c'est des travaux. Après, il va falloir voir aussi l'agencement de l'appartement, hein. Peut-être que l'appartement ne permet pas ce type d'agencement, mais vu les photos, c'est compliqué à dire. Donc, dans notre étude, on va prendre des coûts de travaux, donc cuisine, salle de bain, chambre, 15 000 euros. On va prendre 15 000 euros, le bien a l'air plutôt en bon état. Voilà. Je pense que ça devrait aller pour 15 000 euros. Ce qui nous donne un coût total de. Donc, on est à 88, 93. Bah 99 500. On est près des 100 000 euros. On aurait un loyer donc de 3 fois 300 euros, ce qui nous donnerait 900 euros. Maintenant, pour savoir rapidement si le bien est rentable, on peut utiliser la règle des 1%. Alors la règle des 1%, c'est quoi? C'est si le loyer d'un mois de location correspond à 1% du prix total d'achat, alors on est dans la règle des 1%. Et alors, ça annonce une superbe rentabilité et un superbe cash flow. Je ne vous le cache pas. Donc, ici, 900 euros, faudrait donc acheter notre bien immobilier à 90 000 euros pour respecter la règle des 1%. Mais on n'est pas loin, on n'est qu'à 10% d'obtenir les 1%. On n'est qu'à 9 500 euros près. Et c'est déjà une très très bonne chose hein, d'arriver aussi proche des règles des 1%. Sans avoir rien négocié. On n'a pas négocié le prix d'achat et on a fait une estimation du loyer correcte, mais peut-être qu'on pourrait avoir plus. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller plus loin
Et du coup, de passer à la cinquième étape, qui va être le calcul des mensualités du prêt. Donc, entre-temps, on va rappeler les chiffres de notre investissement, le loyer estimé de 900 euros. On va devoir enlever, pour avoir une idée des loyers nets, on va enlever 30% des revenus bruts. C'est ce que la banque va faire quand vous allez aller la voir pour vous faire financer. Elle va automatiquement enlever 30% parce qu'ils savent que vous aurez de la vacance locative, vous aurez la taxe foncière, vous aurez l'assurance propriétaire non occupant, vous aurez des travaux à effectuer au cours du temps. Donc la rentabilité brute ne compte pas vraiment, c'est plutôt la rentabilité nette, hein, vraiment ce qui va compter parce que c'est ce que vous allez avoir dans votre poche. Donc on enlève 30%, ce qui nous donne un loyer approximatif de 600 euros. Et donc, on va regarder si on emprunte 99 500 euros sur 20 ans, combien on a de mensualités. Donc, pour ça, c'est facile. Il faut utiliser, par exemple, moi, j'utilise le site de Meilleur Taux pour calculer et avoir une idée des mensualités. Par contre, si j'emprunte 909 000 euros, ça ne va pas aller. Hop. Ok, sur 20 ans. Le taux, faut pas espérer avoir ce taux-là, surtout si on emprunte la totalité à la banque. Il va falloir faire un effort. Et donc, on va plutôt avoir 522 euros de mensualité, du coup. Sachant que Meilleur Taux prend toujours une assurance, le taux de l'assurance à 0,34, ce qui n'est vraiment pas un bon taux, et vous pouvez le négocier à 0,10. Hein. Dans mon fichier Excel, dans l'étape 6, on va justement mettre un meilleur taux. En tout cas, on a un taux, une mensualité de 522 euros. Maintenant, on va regarder si les loyers nets sont supérieurs aux mensualités. Donc nous, c'est bien supérieur parce qu'on espère 600 euros net et notre mensualité serait de 522 euros. Donc c'est parfait. Là, on est sur un bien qui s'autofinance plus, qui dégage à peu près 80 euros par mois. Maintenant, on va passer donc à l'étape 6. On va pouvoir comparer différents scénarios et prendre en compte un peu plus de charges et de frais liés à notre investissement. Donc l'étape 6, avec mon fichier Excel. Donc 77 mètres carrés, c'était 78 000 euros. Montant des travaux, on avait estimé à 15 000 euros. Les frais de notaire se calculent automatiquement, mais si vous voulez, vous pouvez passer par le site notaire.fr pour avoir l'exactitude des frais de notaire. Les frais bancaires, lorsque vous allez créer votre dossier à la banque, malheureusement, ils vont vous demander une contribution, 750 euros, 500, ça dépend des banques. On peut réussir à négocier ça à 0 euros. Mais bon, moi j'aime bien prendre dans mes exemples des exemples pas trop optimistes et plus proches de la réalité. Hein. Ça ne sert à rien d'optimiser tout dans les chiffres si dans la réalité ce n'est pas le cas. Donc voilà, je prends aussi une petite marge de 500 euros. Si j'arrive à négocier à 0 euros, bah, c'est super. Bien sûr, hein, c'est toujours 500 euros d'économiser, mais voilà, on ne peut pas savoir à l'avance. Ce qui est un élément important aussi, c'est si vous faites de la colocation, effectivement, vous allez sûrement meubler. C'est ce que je vous conseille de faire de la location meublée. Rien que pour le régime LMNP et l'amortissement du prix du bien, en fait, c'est un gros avantage à la location nue fiscalement. Vous allez tout simplement, si vous avez des travaux, un peu de mobilier, vous allez ne pas payer d'impôts pendant 5-6 ans sans problème en fait.
Tout ça parce que vous allez pouvoir amortir le prix du bien, donc 78 000 euros sur 30 ans. Et ça, ça va vous créer du déficit que vous allez pouvoir déduire de vos revenus, tout simplement. Donc, si on a trois chambres à meubler, une cuisine, un salon, on va dire 1 500 euros par chambre, plus 2 000 euros en tout. Donc, ça va nous faire du 3 000, 4 500, allez, 6 500. Donc déjà, on a une somme un peu plus supérieure à 99 500 dans nos précédents exemples, enfin dans nos précédentes étapes, parce qu'on a inclus la valeur du mobilier. Après, on pourrait faire une simulation sans valeur du mobilier, hein, bien sûr. Partie financement, on va faire aucun apport personnel, on va emprunter la totalité. Le taux d'intérêt, on va se baser sur 1,8, hein. On pourrait peut-être avoir mieux, mais bon. 1,8, ça va être la moyenne pour nous qui empruntons la totalité. Hein. C'est bien différent de ceux qui mettent un peu d'apport et donc qui peuvent bénéficier d'un meilleur taux. Puis nous, c'est pour de l'investissement locatif. Le nombre de... La durée, ben 20 ans. Pourquoi 20 ans? Pour avoir les mensualités les plus petites, en fait. Tout simplement. Et pour que ça soit les locataires qui remboursent le crédit. Et qu'on arrive à ce seuil d'autofinancement, hein, tout simplement. Si vous prenez un prêt sur 10 ans... Vous aurez des mensualités peut-être deux fois plus supérieures. Et du coup, tous les mois, vous allez devoir rajouter de votre poche la différence. L'assurance du crédit, je le mets à 0,10. Si vous êtes jeune et que vous n'avez pas de problème de santé, il n'y a aucun problème pour avoir ce taux-là. Donc, ce qui nous donne des mensualités de 537 euros. OK. Donc pour moi, j'ai une partie fiscalité, mais je ne vais pas pouvoir la remplir dans notre exemple parce que ça dépend vraiment de chaque situation. Chaque personne est différente et chaque personne est imposée à un taux différent. Donc il faut savoir que les revenus immobiliers s'ajoutent à vos revenus de salarié. Donc si vous êtes à une tranche à 14 ou à 30%, ce n'est pas la même chose. En plus, je dois vous dire que les revenus immobiliers sont imposés donc à votre tranche d'imposition, imaginons 30%, plus il faut payer la CSG, les impôts sociaux, de 17,2%. Donc ça fait 30 plus 17,2. Vous allez payer 47,2% d'impôts sur vos revenus fonciers. Ce qui ne veut pas dire que dans vos revenus fonciers, tout va dans votre poche, parce que vous devez rembourser votre prêt, vous payez déjà d'autres taxes, etc., etc. Donc c'est vraiment énorme. D'où l'intérêt vraiment de faire de la location meublée pour amortir le prix du bien et éviter de payer des impôts au début. Les recettes. Alors, pour de la colocation, trois chambres, on va estimer à une vacance locative. Donc ça, c'est important à prendre en compte. C'est combien de temps votre logement va être vide entre le changement de deux colocataires. Moi, je mets 4%, ça correspond à 2 semaines. Comme si les trois chambres allaient rester vides 2 semaines tous les ans. Et ça va vite, hein. Ça peut aller vite, hein, le temps de trouver un autre locataire. Ouais. Donc, le loyer mensuel, charges comprises, ben, on reste à 900 euros. On a 3 fois 3 chambres, 300 euros. On pourra faire une estimation avec un revenu un peu plus élevé la prochaine fois. Les charges déductibles, on a l'assurance du crédit, on a des frais de gestion, si on fait louer par une agence, à peu près 7 à 8% de nos revenus bruts. La taxe foncière, alors on n'a pas d'information dans l'annonce, il faudra la demander au propriétaire, mais j'espère que ça sera un petit peu moins élevé, j'espère 600 euros. Je fais une estimation, hein, là aussi. Les réparations par an, bah moi je prends toujours un demi-mois de loyer, donc 450 euros. Les charges par an pour le propriétaire, là, ça dépend des charges de copropriété. Ce n'est pas écrit dans l'annonce, il va falloir aussi le demander au propriétaire. Mais on peut partir sur minimum 100 euros par an, par mois, hein. Donc 1200 euros à l'année. C'est un minimum. Hein.
L'assurance propriétaire non occupant, chaque propriétaire doit assurer son bien. Donc là, pour un appartement, je pense que ça coûtera dans les 150 euros. Et après, il y a aussi les frais d'entrée-sortie à chaque locataire, donc facturés par l'agence. Pour moi, c'est 75 euros. Donc j'ai appliqué le même barème, 75 euros. On va avoir tout de suite notre retour sur investissement, le rendement brut et le rendement net calculé. Ici, on ne va pas faire attention à ça, parce que ça prend en compte la fiscalité. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être le cash flow net par mois. Donc là, qui est positif de 59 euros et par mois, donc ce qui correspond à 705 euros par an. Plutôt une très bonne chose. On voit que sans négocier le prix d'achat, avec un prix de loyer plutôt bas, moyen, voilà, on arrive à avoir un bien qui s'autofinance et qui dégage du cash flow. Donc bien sûr, il va falloir vérifier tous les frais, toutes les charges liées à l'appartement, hein, la taxe foncière, les charges de copropriété. Mais voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est même excellent, hein, vraiment excellent. Donc je vais enregistrer ce scénario. Un autre scénario qui pourrait être avec des loyers un petit peu plus élevés. Donc on va mettre, au lieu de louer 300, on va louer 320 euros la chambre, ce qui nous fait du 960 euros par an. Et donc là, 960 euros, on a doublé presque notre cash flow. Hein. Donc on a pris une belle marge de sécurité, 112 euros par mois. Ouais. Hop, 960 euros. Ouais, là, ça serait vraiment le jackpot. Hein. Ça serait vraiment super. Et maintenant, on peut faire aussi des simulations si on arrive à faire baisser le prix d'achat. Hein, parce que la négociation, c'est une étape obligatoire. Hein. Faut toujours essayer de négocier le prix d'achat. Vous n'avez rien à perdre, hein, vraiment. Au pire, vous l'achetez au prix d'achat si ça rentre dans vos chiffres et dans vos calculs, si ça vous convient. Mais imaginons juste qu'on fasse baisser de 5000 euros. Donc on achète 73 000 euros. Double avantage, on paye moins de frais de notaire. Et troisième avantage, on emprunte moins. Du coup, on aura moins à rembourser à la banque. En fait, on aura moins d'intérêt. Et là, on a regagné, je pense, 20 euros de cash flow. Donc on va enregistrer ce scénario pour voir la différence. Hop, 960 euros de loyer. Donc, grâce à mon calculateur, je peux comparer les scénarios. Hop. Le plus intéressant, c'est le calcul du cash flow. Hein. C'est savoir si oui ou non, tous les mois, on va devoir rajouter de l'argent de notre poche pour combler le trou. Et donc, on voit que en négociant, par exemple, 5000 euros, on arrive vraiment à augmenter de 30 euros notre cash flow. Donc, ça nous fait vraiment du 140 euros par mois. Là, c'est plus négligeable. Hein. Ça fait un gros billet qui tombe quand même en plus de l'achat et de la construction de son patrimoine immobilier, payé tout ça par les locataires. On voit que même à 78 000 euros, ben, on a un cash flow positif. Et c'est super bien. Donc vraiment, si vous êtes dans la région d'Arles, là, je pense que vous avez maintenant en tête les différents chiffres, les différents prix, les différentes manières de calculer pour rapidement voir un bien rentable ou non, en fait. Et savoir dans quelle zone vous situez, dans quelle zone de prix voilà, vous situez, savoir... Vous savez déjà que si le bien coûte à peu près 80 000 euros, vous faites une colocation de 3 chambres, s'il n'y a pas trop de travaux, c'est à étudier, quoi. Je veux dire, il y a une possibilité que ça soit très rentable. Par contre, si vous voyez un prix à 150 000 euros, ben, on peut faire hein, le prix, on peut faire une estimation à 150 000 euros.
Ben, 150 000 euros. Vous avez beau louer à 320 euros chaque chambre. Là, vous perdez 280 euros par mois. Hein. Il n'y a pas de secret. Vous êtes en négatif total et là, vous achetez une dette, en fait. Et c'est pas ce qu'on recherche quand on veut multiplier les investissements et trouver des biens vraiment rentables. Ce qu'on appelle rentable, c'est vraiment que tous les mois, il y ait de l'argent en plus, ou au moins que ça s'autofinance. Donc voilà. Bon, ben moi, je vous dis au revoir. C'était donc Nathan du blog Investir pour réussir. Si vous voulez avoir plus d'informations pour faire la bonne affaire, n'hésitez pas à regarder en description. Je vous partage mon guide pour faire la bonne affaire en immobilier et gagner des milliers d'euros. Et si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas, moi, je vous dis un grand au revoir et de très bons investissements à tous. Allez, ciao !